Bonsoir tout le monde. Namzo, bienvenue sur Chanel là, qui c'est Samuel Joseph Edu. Jeudi, on a présenté une leçon bonus, comment ou capable créer un code automatique dans Excel. On a utilisé un fichier que nous avons déjà gagné enregistré. C'est classeur ça. Nous gagnons quelques informations sur des mondes. Par exemple, noyau, prénoyau, sexe, date de naissance avec année que vous faites là. Ces données ça, nous pourrons l'utiliser pour générer le code ça, que nous relais ID étudiant. Pour créer un code dans Excel, gagner trois bagages ou deux qu'on est au préalable. Qui ça y est? Code doit créer à comment l'appeler? Est-ce que c'est lettre seulement cap la donne? Est-ce que c'est chiffre seulement cap la donne? Est-ce que l'a gagné lettre mélangée avec chiffre? Ok? Dans bon langage, on est capable de dire, est-ce que c'est des codes alpha? Est-ce que c'est des codes numériques ou bien des codes alpha numériques? Deuxième bagage, est-ce que code ça y a majuscule, y a minuscule, ou bien est-ce que vous avez quitté Excel, choisi, j'en dans cellule pour ce qu'on s'accorde la générer. Ça, c'est verrouillage. Vous capable de verrouiller un code en majuscule, vous capable de verrouiller un code là en minuscule, et qu'on ça tout, ou capable de quitter Excel, prendre j'en lié en dans cellule là pour créer un code là. Troisième bagaille, qui ça code là a bien là-dedans? C'est contenu code là. Par exemple, code nous pral générer aujourd'hui là, l'a gagné trois premières lettres dans nom moun nan, l'a gagné deux premières lettres dans prénom, l'a gagné année que moun nan fait là, l'a gagné sexe moun nan, et puis l'a gagné numéro que moun nan yé nan liste là. Là moi connais comment code moyen à pied, qui comment et qui caractère que l'a gagné, qui ça que m'a saisi, qui information que m'a besoin pour me générer code là. Là, on a censé utiliser toute information que nous avons là, yo. Nom, prénom, sexe, date et année de naissance avec et numéro mon nom, là, dans la liste là. Nous allons commencer. Donc, ça que nous allons faire là, c'est qu'on est syntaxe. Et dans la syntaxe là, nous avons une fonction qui permet de générer code là. Fonction qui permet de générer code là, c'est concaténation. C'est concaténer. Voilà, maintenant, concaténer, c'est fonction ça qui permet nous générer le code là. Là, nous pouvons créer le code là sans verrouillage. Après ça, nous allons juste ajouter verrouillage là. OK? Comme nous prenons trois premières lettres dans nom, trois premières lettres là, c'est à gauche qu'il y a. Et bien, comme c'est à gauche, nous avons choisi left. Parenthèse. Dans qui cellule non moun nan, c'est dans cellule non moun nan, commencer c'est dans cellule C3. Combien lettres m'a prend là-dedans? M'a prend 3. On ferme parenthèse là, moi fini avec ça. Virgule. M'a prend deux premières lettres dans prénom moun nan. Deux premières lettres c'est à gauche ou encore, m'a fait appel avec fonction left là qui dit que c'est à gauche m'braler. Eh bien, m'a choisi cellule qui gagne prénom, qui c'est cellule D3. C'est deux lettres que nous avons besoin là-dedans. M'a mettez deux, moins fermé. Là, moins fini avec ni nom, ni prénom. Moi, je vais utiliser un séparateur. Tout séparateur que nous avons utilisé, nous avons mis entre côtes ou bien entre guillemets. Voilà. Séparateur que m'a utilisé là, c'est tiré. Moi, mettez entre guillemets, mettez virgule. On va prendre année que moun nan fait là. Année moun nan fait là, c'est cellule G3. Mettez G3. OK? M'a premier ton tiret qui pour séparer là encore. Tiret. Ou mettez li en double côte. Ça permet que Excel li fait lecture. Lorsque moi fais appel avec la fonction double côte, li permet Excel afficher yon bagay. C'est une fonction d'affichage que li. Moi rete ki ça, moi pral prend sexe moun nan. Nan ki cellule sexe moun nan ye, c'est la cellule E3. Voilà, E3, moi saisis. Et puis moi rete ki numéro moun nan nan liste lan. Numéro moun nan nan liste lan, c'est A. 3, c'est dans cellule A3 que lié. M'a regardé combien parenthèses qui t'est ouvri et toute parenthèse qui t'est ouvri, on m'a fermé yo. Parenthèse ça qui ouvri là pour qu'on ferme aucun côté, parenthèse ça qui ouvri là, li ferme là. Parenthèse ça qui ouvri là, li ferme là et seulement premier parenthèse ça qui pour qu'on ferme là, m'a fermé parenthèse là. Et puis moi fait enter. Voilà.
Eno, trois premiers lieutenants, trois premiers lieutenants non moun nan, deux premiers lieutenants prénom Jo, année moun nan fait la 2003, sexe moun nan M, et puis numéro moun nan nan liste nan qui c'est 1. Après ça, moi juste drague tout code yo, yo généré. Voilà. Eno Jo 2003 M1, Denan 1998 M2, Gati 2000 F3, Dilti 2002 M4, Gadlo 2005 M5, ainsi de suite. Là, tout côté où MTM était tiré, voilà, nous capables de continuer la syntaxe là, dans la barre de formule là, ou bien barre de fonction, hein? Voilà, nous capables de lire la syntaxe là. Toute formule que m'a entré, m'a utilisé dans Excel, ne commençait pas égal. Ok, égal, concaténer, là. Moi mettez les flan mes amis, c'est parce que m'a choisi deux premières lettres à gauche. Si m'a choisi les dernières lettres yo, moi t'a mettez right qui c'est à droite. Kounya là, nous faisons comment générer code yo. Code ça yo pas verrouillé. Ça veut dire Excel prend yo Jean yo yé dans liste là. On va montrer nos bagaille. Si moi veux code yo verrouillé mes amis, dans même syntaxe ça, m'a juste ajouté upper. Upper. Moi, ouvre parenthèse, mal fait, mais parenthèse, ça juste derrière. Moi, mettez toute fonction concaténation en dans fonction upper. Là, ou pral ouè, code qui pral générer yo, y a généré en majuscule. Voilà. Et nos jours, ou est allé, regarde ça qui est en bas là, beaucoup de ragué. Ou est ça qui est en bas là, li prend yo Jean yo là. Alors que là, li convertit tout en majuscule. Et puis, moi, ragué, meni, voilà. Tout code yo, yo en majuscule. Ça veut dire, fonction upper là, les permet moins verrouiller en majuscule. Nous allons regarder si je prends lower, comment ça passe. Si je prends lower, ou après que tout code yo, yo pral en minuscule. Parenthèse yo te déjà là, ok, parenthèse yo te déjà là, moi juste quitte yo, donc pas de problème. Voilà, et nos jours, ouais. Tout vin en minuscule, tout caractère vini en minuscule. Voilà, moins dragué, et puis code yo en minuscule. Nous capable générer code yo en majuscule, nous capable générer yo en minuscule, ça va dépend de qui ça nous voulons faire. Comment nous voulons faire? Toujours garder syntaxe là, mes amis, mes syntaxes là, ok? C'est, bah, me reprend upper pour me faire le pour capable générer des codes majuscules, upper, ok? Moins redragué encore. Là, mes amis, mes syntaxes là, c'est ça que n'a entré dans cellule là pour nous générer code yo. Upper, il permet de verrouiller en majuscule, concaténer c'est lui-même qui génère code là. T'as l'œil à l'aimer faire sans upper ou bien lower ou t'es code là, les générer quand même. Left, c'est parce que m'a choisi premier lettre yo. Si m'a choisi dernier lettre, m'a pas right. Et tout caractère que m'a metté, que m'a demandé Excel pour afficher, m'a demandé pour le mettre en code parce que là caractère tiré ça n'est pas en dans aucune cellule m'a pas demandé Excel là prendre dans telle cellule pour te ban moi c'est afficher m'a demandé pour l'afficher en dans code là et bien moi mettre dans double code ça moi fait appel à la fonction d'affichage. Allez essayez, gardez comment ou capable adapter ou à cette technique ça. Merci.